Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Presse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Presse, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alter Presse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est le journal Sport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de partout. Dans titre, la qualité sportive là sur le plan national, football expatrié, premier match et premier but pour attaquant international haïtien Franck Pierrot qui permet à Ayoka Aten battre Volos Football Club 2-0. En occasion 4e journée championnat grec là lundi, Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, Wanamed FC Moka FC sur mercredi à UDBM au stade de Moka 85 en République Dominicaine. Haïti à présent la première Coupe du Monde féminin pour Apiteo va dérouler en Colombie sorti 4 privé 10 novembre à 2 mois de compétition en pile difficulté économique pour préparation sélection nationale là. À l'étranger tennis, classement ATP WTA, Yannick Sinner et Iga Swiatek sont les leaders. Basketball, Nicolas Batum, 35 ans, annoncé retraite lé dans la sélection française là. Football, États-Unis, Corée du Nord, à 5h30 p.m., Japon, Pays-Bas, à 9h p.m., qui affiche la demi-finale, Coupe du Monde U20, la CAI, Medamio, qui a pu dérouler en Colombie, demi-finale qui a fait journée mercredi 1. Ligue des Champions, première journée, ce mercredi, Paris Saint-Germain, Girona, Club Bruges, Dortmund, Manchester City, Inter Milan, ce mercredi à 3h. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportive là, d'abord sur le plan national, premier match et premier but pour attaquant international haïtien Franck Pierrot avec Ayoka Aten qui bat Volos Football Club 2-0 lundi en cadre de 4e journée championnat grec en première division surnommé la Super League. Aligné d'entrée, Pierrot et Louis Scola à la 22e minute de jeu, son service de Ruta Lazaros. Score 1-0 a été persisté jusqu'à la pause. En début de seconde période, soit à la 62e minute, Koita Aboubakari a doublé mise là pour Ayoka Aten. Victoire 2-0 qui permet aux Grenadiers et équipe Lia pour y occuper la tête du classement
avec 10 points sur 12 devant l'Olympiakos et PAO Thessalonique également 10 points. Pour le compte de la cinquième journée, dimanche 22 septembre à 2h PM, la UEFA Athènes avec Fandi Pierrot avant déplacement pour rencontrer Athènes Kalitea Football Club. On a rappelé que l'attaquant international haïtien Fandi Pierrot, 29 ans, était paraffé un contrat de 3 ans avec le club grec de première division AEK Athènes mardi 10 septembre passé. Le désormais ex-joueur de Maccabi Haïfa était disputé la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Europa Conference League avec le club israélien. En nécessité, sous plan offensif, AEK Athènes était voulu grossir en ligne en attaque. Il était donc charmé par les qualités techniques, physiques et tactiques du Grenadier. Ce transfert a été effectué en pleine Ligue des Nations de la CONCACAF. C'est raison ça qui était expliqué absence de Pierrot. L'an victoire 6-0 à Haïti aux dépens de Saint-Martin au stade Centre Americano de Mayagüez. L'an AEK Athènes, Grenadier, l'hypothèse numéro 14, Libéral tenté pour l'écrit une nouvelle page au pays de Platon. Le montant de la transaction est estimé à environ 3 millions d'euros. International haïtien a joué aux côtés de deux internationales argentins, ex-international nous capable dit, Eric Lamela et Roberto Maximiliano Pereira, respectivement ancien joueur du FC Séville et de la Juventus de Turin. On a noté que l'AEK Athènes est dirigé par l'entraîneur argentin de 51 ans, Matias Almeida, ancien joueur et entraîneur de River Plate. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive là, sur plan national, Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, le groupe B, Wanamet, FC Bralafontaine, Moka FC de la République Dominicaine, journée mercredi 18 septembre 2024, là, dans le stade de Moka 85 à 8 p.m. avant de rencontrer Grenade FC d'Antigua et Barbuda, journée mardi 24 septembre, là, mais à 6h du soir. Tout résultat qui est déjà enregistré, le groupe B, Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, première journée, Sibao FC, Moka FC de la République Dominicaine 0-0, Wanamet FC était fait 1-1 avec Port of Spain de Trinidad Tobago. Moka FC, deuxième moune, était battu Port of Spain 3-2. Et puis, Sibao FC était battu Grenade FC 3-1. Classement, Moka FC 4 points, Sibao FC 4 points, Wanamet FC 1 point, Port of Spain 1 point, Grenade FC 0 point. On a noté qu'après la phase de groupe, les deux premiers de chaque pôle y auront qualifié pour les demi-finales. Les matchs auront joué en aller et retour suivi du match de troisième place et de la finale, côté nouveau champion Caraïbes va le couronner. De plus, les deux finalistes et le vainqueur de la troisième place vont le qualifier pour la Coupe des champions de la CONCACAF 2025. Et puis la première Coupe du monde féminine pour amputer va le dérouler 4 au 10 novembre 2024 à Barranquilla en Colombie. En plus du pays organisateur, il y a 11 autres pays qui vont le préparer pour y participer, représentant des nations d'Afrique, d'Amérique et d'Europe. Côté africain, il y a tant des équipes comme le Cameroun, le Nigeria et le Rwanda. Côté américain, il y a le Brésil, Pérou, Équateur, Haïti. Tandis que pour l'Europe, il va être représenté par l'Angleterre, la Pologne et l'Ukraine. Tirage au sort, groupe va le fête 26 septembre 2024. Il va révéler la structure finale de la compétition. Ce tournoi est annoncé comme un événement majeur dans la promotion du football pour amputer, notamment dans la participation des femmes à ce sport, contribuant ainsi à accroître sa notoriété à l'échelle mondiale. Cependant, à moins de 2 mois de cette compétition, la sélection haïtienne de football amputée n'a toujours pas trouvé des moyens pour assurer la préparation. On appelle donc lancé à tout secteur privé et public en façon pour la sélection soit capable de représenter le pays valablement un grand événement sportif mondial. Ça, on t'y pose. Là, nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. FNI. C'est une institution l'État. L'ILA pour appuyer tout effort qu'a fait dans le domaine de l'éducation. Depuis 2017, FNE bat une population en jarrette et puis soulager parents n'a permet si mon yo joindre bon genre d'éducation dans espace qui respecte normes construction. Réparer l'école, conduire chantier l'école dans un pile département.
grâce à l'argent de la 50 ak centime sur appel international yo, FNE financier formation et payer professeur, soulager parents de payer l'école timoun yo. Institution bay l'école yo même, mobilier, pan, tankou bureau ak mwa. FNE subventionne cantine scolaire pour plusieurs dizaines timoun l'école. FNE corré études universitaires pour jeunes, li supporter universitaires, li accompagner étudiants, kit sa ki ici en Haïti, kit sa ki à l'étranger. Accompagnement yo aller dans niveau licence, maîtrise, jouk li rive dans doctorat. Fond là pour corré l'éducation dans tout sens dans pays a pour garantir yon pi bon société. FNE, l'éducation n'a pourri, l'avenir n'a pas assuré. Selon Constitution 1987 la, souveraineté nationale la chita nan men tout citoyen ak citoyenne yo. Pourtant, nan société nou an, citoyen yo pa ramase pouvoir yo genyen pou choisi ak si veye l'état. Pendant l'état li menm gen tendance mete yo sou côté nan décision yo. Pendant ce temps, gen yon seri secteur mauvais intention kap kouri deye moun compétent ak conséquent ki nan poste important yo. Si nou kontinye kon sa, l'état a fin tourner prisonnier yon ti groupe moun. Faut que nous fayon camper pour nous construire yon l'autre l'état. Faut que nous prenne engagement pour faire moun k'ap vin diriger l'état gen préparation, moralité et capacité pour respecter règle jouet démocratie a. Ki donc, faut que nous signe yon contrat pour gen mezi ki prend pour dirigeant yon bay citoyen yon rapport sous toute action opposée ak sous utilisation ressources publiques yon. Car groupe action francophone pour l'environnement ensemble avec Alternative Haïti, Mouvement National Citoyen pour Climat, invitez tous citoyens et citoyennes engagés dans la bataille pour faire tout le monde qui veut diriger le pays, depuis Kazek, magistrat, arriver dans le plus gros poste de responsabilité, signer un contrat pour transition écologique et sociale avant de jouer un bulletin de vote dans quelle soit élection sérieuse qu'a fait dans le pays. Changer le système, nan, pas dérégler le climat. Nan moment crise ak moment la trouble ay sa pays d'Haïti ap viv la, malfekte a profite fè soi-disant information sikile pou ka mete l'esprit ou an boula cha, ba ou stress, fè ou pè pou yo ka manipile ou. Citoyen, citoyenne, c'est pour rete veyatif, veye fò nouvèl, veye des informations, mache sou pinga. Nous besoin information vérifiée pour nous construire démocratie. Média, journaliste, citoyen, en campé goumen contre désinformation. C'est un message projet combite pour bonjour démocratie ak sipo organisation internationale francophonie ak Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni organisation internationale francophonie. Mes amis docteur Georges, a pas m'tan de ces choléra qui touye Pierrot, te quoi m'tan de maladie ça a t'est passé? Passé, madame Jean. Non marché. Après choléra te fin disparaître pendant un bon bout de temps, li retourner à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra docteur Georges? Ça facile. Depuis vous servi à glo traité pour boire et puis manger, laver mais en glo ak savon, si tout les saute dans toilette ak avant ou manger, choléra pas besoin de route pour rentrer sous. La barrer bien barré. Eh bien, pas gain problème. Nous tout konn bagay sa yo déjà. Konnen se youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon sel green fois compte pour choléra rentrer sous. Konnen se youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout temps. Songez, choléra reparaît, c'est nous tout qui pou barrer. C'était yon message MSPP ak partenaire yo. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend.
Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Yobo, t'es quoi dit si dame ça que j'aime vivre ici dans un seul bon? Comment le faire en forme comme ça, mine? Tout cas, bro, elle est en forme, frère. Bah, privé, non, papa. Pour qu'on se pas capon. Cher. Bon, qui ça a dit là? Ou pas informé? Au monde qui gagne virus sida, c'est tant qu'on est porte maladie qu'on est qui, tant qu'ou maladie que sucre, tension, et puis tout. Les pays où l'on pied prend médicament, la mener vie familiale, aller l'école, à travail normalement oui. Crété, Régine, comment fait qu'on tout bagay ça yo? Moi mais docteur oui, crété, vous gagnez oublié. Et puis, moi informé en pile sous sujet. Yon moun ki gen jem sida, ki toujou bien pren medikaman ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka ba yon lot moun sida nan fè sex. Se te kou viris la te disparèt nan san. Oh, disparèt nan san menm, sa vle di, li pa gen lanko? Li toujou gen yon. Men, grâce ak medikaman ARV yo, kantite viris ki nan san levin telman piti, test ak examen laboratoire pa menm rive detekte l. Men, faut que les toujours prennent médicaments ARV chaque jour et puis aller faire test là chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis mon nan gen sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire un pile discrimination vraiment. Informe dans des timon. Yon ti kras VIH nan san égal zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS. Grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là pour qu'on y a sur plan international, Ligue des Champions 2024, car 2025, l'an démarre, je venais mardi. Avec un nouveau format, 36 clubs au lieu de 32 à participer en compétition. Chaque équipe va jouer 8 matchs, mais 8 équipes différentes. 8 premières équipes ont été qualifiées automatiquement pour les 8e de finale, tandis que l'équipe classée entre 9e et 24e place va participer à un tour de bagaille à élimination directe aller-retour pour assurer leur qualification pour les 8e de finale de la compétition. L'équipe qui va venir, alors qui va finir 25e place au plus bas, il va l'éliminer. Il n'y a pas bien accès à l'UEFA Europa League à partir des 8e de finale. Compétition va suivre format actuel avec des rencontres aller-retour à élimination directe menant à la finale. Ce mercredi 18 septembre, midi 45, Bologne, Shakhtar Donetsk, Sparta Prague, RB Salzbourg, 3h. Paris Saint-Germain après recevoir Girona, Club Brugge contre Dortmund. Slovan Bratislava va déplacer pour rencontrer Celtic Glasgow, Manchester City. A accueilli Inter Milan pour choc première journée. Et puis ce jeudi midi 45, Étoile Belgrade Benfica. Feyenoord a recevoir Leverkusen. 3h ce jeudi, Brest Stormgrass. Arsenal a déplacé pour rencontrer Atalanta. Atlético Madrid a joué avec RB Leipzig. Et puis Monaco a recevoir FC Barcelone. Après rappeler les dates de la Ligue des Champions 2024-2025. Phase de Ligue 17 septembre 2024 au 29 janvier 2025. Tour qualificatif à élimination directe. 11 au 19 février 2025, 8e de finale 4 au 12 mars 2025, quart de finale 8 au 16 avril 2025, demi-finale de la Ligue des Champions 29 avril au 7 mai 2025, grande finale le 31 mai 2025 à l'Arena de Munich en Allemagne. Actualité football là toujours et Coupe du monde féminine U20 Colombie 2024, résultat quart de finale, Corée du Nord éliminé Brésil 1-0. Pays-Bas, Colombie 2-2, puis 3 tirs au but à 0 en faveur des Pays-Bas. Japon bat Espagne 1-0, un peu de surprise. Gagné États-Unis avec Allemagne qui fait 2-2, puis 3 tirs au but à 1 en faveur des États-Unis. Demi-finale ce mercredi, 18 septembre à 5h30 PM, États-Unis face à Corée du Nord. 9h PM ce mercredi, Japon, Pays-Bas. Match de 3e place samedi 21 septembre à 5h PM entre les deux perdants. Et puis grande finale le dimanche 22 septembre à 5h PM. Entre les deux vainqueurs.
Alter Sport. Actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité tennis, après une semaine de Coupe Davis, classement ATP qui publié lundi a été changé. Tout en haut de la hiérarchie du tennis mondial, toujours dominé par l'Italien Jannik Sinner, devant Alexander Zverev et Carlos Alcaraz. Les 10 premiers au classement ATP. Numéro 1, l'Italien Jannik Sinner, 11180 points. Deuxième, c'est l'Allemand Alexander Zverev, 7075 points. Troisième, c'est l'Espagnol Carlos Alcaraz, 6690 points. Numéro 4, c'est le Serbe Novak Djokovic, 5560 points. Numéro 5, le Russe Daniil Medvedev, 5475 points. Numéro 6, c'est le Russe Andrei Rublev, 4645 points. Numéro 7, c'est l'Américain Fritz Taylor, 4060 points. Numéro 8, c'est le Polonais Ober Kaz, 4060 points. Numéro 9, le Norvégien Casper Ruud, 4010 points. Numéro 10, c'est le Bulgare Grigor Dimitrov, 3265 points. La Caramédamio, toujours dominée par la Polonaise Iga Swiatek. Le top 10 du classement WTA publié lundi. Il connaît un mouvement, la sortie de Tchèque-là, Barbora Krejcikova, 11e, profitant à la Grecque Maria Sakkari, 9e, et à l'Américaine Danielle Collins, 10e. Les 10 premiers au classement WTA. Numéro 1, la Polonaise Iga Swiatek, 10885 points. Numéro 2, la Biélorusse Arina Sabalenka, 8716 points. Numéro 3, l'Américaine Jessica Pegula, 6220 points. Numéro 4, la Kazakh Elena Rybakina, 5871 points. Numéro 5, l'Italienne Jasmine Paolini, 5398 points. Numéro 6, c'est l'Américaine Coco Gauff, 4983 points. Numéro 7, c'est la Chinoise King Wang Seng, 3980 points. Numéro 8, l'Américaine Emma Navarro, 3705 points. Numéro 9, c'est la Grecque Maria Sakkari, 3416 points. Numéro 10, c'est l'Américaine Danielle Collins, 3178 points. Dernier ligne droite, Journal d'Espoir, ami auditeur basketball, comme attendu Nicolas Batum, les refermé, histoire liée avec la sélection française, le désormais ex-international de 35 ans, il a annoncé fin carrière internationale lundi. Dernière de ses 177 sélections, c'est donc défaite en finale des Jeux Olympiques Paris 2024 contre les États-Unis, 87-98, de ma première sélection senior face à l'Autriche le 24 juillet 2009, à la dernière contre la Team USA. Il est désormais temps pour moi de refermer ce magnifique chapitre que de passer le relais à la nouvelle génération, a écrit Nicolas Batum sur son compte X, aventurier avec les Bleus. Termine en ligne sur le toit de l'Europe en 2013 et l'aura auréolée de 2 médailles d'argent aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2021 puis à Paris cette année. Son entraîneur Vincent Collet et son coéquipier Nando De Colo, yo même tout, yo prend même décision. Une fois le grand rendez-vous parisien était fini. Né le 14 décembre 1988 à Lisieux, Nicolas Batum, c'est un joueur international français de basketball qui évolue au poste d'ailier et d'ailier fort. Il était débuté carrière professionnelle à Le Mans en 2005, côté le territoire jusqu'à 2008. De 2008 à 2015, il était porté les couleurs des Portland Trail Blazers. De 2015 à 2020, il était joué aux Hornets de Charlotte. De 2020 à 2023, il était porté la couleur des Clippers de Los Angeles. De 2023 à 2024, il était joué aux Sixers de Philadelphie et pour qu'on y a les deux retours aux Clippers de Los Angeles. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous toute sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui était dominé actualité sportive là sur plan national football expatrié premier match et premier but pour attaquant international haïtien Franzi Piero qui permet à UK Athènes battre Volos Football Club 2-0 en occasion 4e journée championnat grec lundi. Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, Fernand Mendes et Moka FC
ce mercredi à 8h PM au stade de Moka 85 en République Dominicaine. Haïti à présent la première Coupe du Monde féminin pour amputés qui va la dérouler en Colombie. Sorti 4 privé 10 novembre à 2 mois de compétition en peu de difficultés économiques pour préparation sélection nationale. Hein. À l'étranger, tennis, classement ATP, WTA, Jannik Sinner et Iga Swiatek, solide leader. Basketball, Nicolas Batum, 35 ans, annoncé retraite li dans la sélection française. Là. Football, États-Unis, Corée du Nord, à 5h30 PM, Japon, Pays-Bas, 9h PM, ce mercredi. C'est affiche demi-finale, Coupe du Monde U20, la Canée d'Amio, qui a déroulé Colombie, Ligue des Champions, première journée. Paris Saint-Germain, Girona, Club Brugge, Dortmund, Manchester City, Inter Milan, ce mercredi. À 3h. Voilà donc, madame, monsieur, pour l'essentiel actualité sportive là, sur le plan national et international. Merci en pile pour attention, vous amis auditeurs. Merci à collaborateur nous, Michel Pierre, qui était la réalisation. En hein. Micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org. Édition journaliste à l'avenir en podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. 106.1 FM, Alter Radio. Ça c'est pas yon pays, ça c'est vente la misère, c'est maman cette douleur. Même si yon arrivé, yon annoncé yon mauvais temps, l'a démarré, la pâtie. Mais ça c'est pas yon pays, ça c'est vente la misère. C'est maman cette douleur. Même si yon arrivé, yon annoncé yon mauvais temps, l'a démarré, l'a pâti. Quand on l'arrivé, bay n'a yon place pour yon passer. Mais quand t'es arrivé, bay yon manger pour yon manger. C'est pas une bonne vagabond sans maman. Petite bon Dieu qui a pu chercher la vie. Yo sort notre trip à Naïs à Manuel. C'est gouverneur de la rosée. Quand on est arrivé, pas de place pour yo passer. 40 jours sous de l'eau, yo pas mangé, yo pas d'eau. Dans cette nexe, yo te goumé dans savana. Yo te dim chien qui est indépendant, kounya nek se ou fin tourne manje grike. Sa ki rive, yo nan prison. «
Ça c'est pas un pays, ça c'est votre la misère. C'est moment, c'est douleur. Même si y'a arrivé, y'a annoncé un mauvais temps. L'a démarré, l'apathie. Sous Alter Radio, l'y fait. Iné. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Des experts de l'ONU ont dénoncé mardi l'exercice arbitraire du pouvoir au Venezuela où des violations des droits de la personne, dont des crimes contre l'humanité, sont commises dans le cadre d'un plan visant à étouffer toute opposition. Cette répression qui s'est intensifiée et a atteint des niveaux de violence sans précédent est orchestrée par les plus hauts niveaux civils et militaires du gouvernement, y compris le président Maduro, a déclaré la présidente du groupe d'experts Marta Valignas en présentant un rapport qui couvre la période allant de septembre 2023 à août 2024 lors d'une conférence de presse. En septembre 2019, l'ONU a étendu sa surveillance sur la situation au Venezuela après que le Conseil des droits de l'homme a créé une mission internationale indépendante d'établissement des faits. Cette mission d'experts avec laquelle Caracas refuse de coopérer affirme dans ce nouveau rapport que la réponse répressive de l'État aux manifestations après les élections fin juillet a marqué une nouvelle étape dans la détérioration de l'état de droit. Certaines des violations des droits de la personne sur lesquelles nous avons enquêté au cours de cette période s'inscrivent dans la continuité d'actes que nous avons précédemment qualifiés de crimes contre l'humanité, a déclaré Marta Valignas aux journalistes. Une procédure de destitution du président français Emmanuel Macron portée par la France insoumise, gauche radicale, a franchi une première étape mardi à la chambre basse du Parlement, mais elle a très peu de chances d'aboutir. Le bureau de l'Assemblée nationale, sa plus haute instance exécutive, l'a jugée recevable par 12 voix contre 10 et l'a renvoyée devant sa commission des lois, selon le chef du groupe Union des droites pour la République, Éric Ciotti. La gauche a fait le plein de ses voix pour donner ce feu vert au texte signé par les 72 députés LFI ainsi qu'une petite dizaine d'autres élus rattachés au groupe écologiste et communiste. L'instance présidée par la présidente macroniste de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet compte 22 députés membres avec une courte majorité pour l'Alliance de gauche Nouveau Front Populaire. Le Parti socialiste a décidé de ne pas s'associer à la proposition de résolution de destitution. Plusieurs personnalités, dont l'ex-président socialiste François Hollande et la patronne des écologistes Marine Tondelier, ont exprimé publiquement ces dernières semaines leur réticence sur cette procédure de destitution.
Toujours en Europe, le Kremlin a indiqué mardi que l'augmentation des effectifs de l'armée russe ordonnée la veille par le président Vladimir Poutine était liée notamment aux menaces visant ses frontières occidentales en plein conflit armé contre l'Ukraine. Cela est dû au nombre de menaces qui pèsent contre notre pays à une situation extrêmement hostile à nos frontières occidentales, a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov. Selon Peskov, cette hausse est aussi liée à l'instabilité aux frontières orientales de la Russie qui s'est fortement rapprochée en Asie de la